On pourrait dire que Joyeuse est la cité des mystères. Mystère de sa fondation par Charlemagne. Mystère aussi de ses rues autrefois riches et peuplées, qu'arpentait le plus mystérieux de tous les Joyeusins, François Boissel. Un écrivain, un philosophe, un homme politique, un citoyen de la Révolution de 1789. Un Ardéchois que l'histoire aurait oublié sans l'intervention d'une poignée de passionnés. Seuls ses écrits sont parvenus jusqu'à nous. Quoi de plus naturel donc que de commencer par comprendre son écriture. Diplômé en graphologie, Cécile Bonvarlet nous livre ses conclusions. Vivacité et curiosité d'esprit. Homme convaincu, engagé à la recherche d'un idéal libéral et anticonformiste. Révolutionnaire exacerbé, prend très à cœur ses engagements mais éprouve des difficultés à relativiser la portée des événements. Peu manqué de sens de la mesure. Protecteur, il défend ses idéaux. Il est contre l'injustice, contre la souffrance et pour les opprimés. Charisme, profil froid, côté intimidant et sûr de lui. Exaltation des sentiments, excès. Nature démonstrative, possessive, ne supportant ni rejet, ni indifférence. C'est le registre de naissance que vous m'avez demandé par rapport à François Boissel, sachant que sur la commune, nous avons les registres depuis le XVIe siècle et jusqu'à, bien sûr, à aujourd'hui. Donc, je vais vous lire. L'an 1728 et le 27e avril, naquit et fut baptisé le lendemain François, fils naturel et légitime de Sieur Antoine Boissel et de demoiselle Thérèse Girard. Le parrain a été Sieur François Boissin et la marraine, demoiselle Marie-Madeleine Boissel, présent, et Sieur Antoine Boissel, et c'est, après c'est un peu illisible, ont signé Boissel, Boissin, Boissel, et le père de Gilgor qui était curé de la paroisse. Nous avons son acte de naissance et François Boissel n'est jamais décédé, n'est jamais mort, puisque nous n'avons pas son acte de décès, et il hante donc toutes nos rues de Joyeuse encore. C'est un homme éternel comme ses pensées. Les jours de marché à Joyeuse, les acteurs de la troupe du château battent leur appel pour les visites théâtralisées de la ville, dont François Boissel est l'une des figures les plus attendues. Aux côtés de la grande mademoiselle et du duc Anne de Joyeuse, de son frère le cardinal de Joyeuse, de la grande duchesse, d'un poilu désabusé et d'un colonel Chabert parvenu, ce spectacle de 2 heures est la grande animation culturelle de la cité. L'initiative en revient à un homme, écrivain et journaliste, une plume généreuse à l'action décisive, qui a trouvé dans François Boissel un sujet à sa mesure. L'enquête et les nombreuses interrogations qu'elle soulève peuvent commencer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est pas mal. Neuf, c'est bien. Neuf en 2 heures, c'est bien. Ici, hop. Et un Boissel. Il est des événements symboliques que nous aimons partager et la célébration de la fête nationale dans notre village fait traditionnellement partie de ces événements et de ces moments. Cette année, la municipalité a voulu donner un caractère particulier à la cérémonie traditionnelle en inaugurant l'avenue qui portera désormais le nom de François Boissel. Boissel n'a pas connu la gloire et la célébrité posthume comme d'autres grands révolutionnaires. Il a toujours volontairement été ignoré par les historiens ardéchois du XIXe siècle qui ne l'ont jamais cité une seule fois dans aucun écrit historique portant sur l'Ardèche.
Il était juste que sa commune de naissance répare cette injustice. Le bouillonnement intellectuel qui a vu jaillir la Révolution française n'est que le résultat d'une longue alchimie de toutes les pensées philosophiques qui ont construit notre nation depuis le XVIe siècle. Désormais, François Boissel ne sera plus l'oublié du village. En ce bicentenaire de l'anniversaire de sa mort, la pose de cette plaque rappelle ainsi, je l'espère, que l'oubli n'est jamais éternel et que la flamme peut toujours être ravivée dès lors que la cause est juste et que l'homme est un honnête homme. Vive joyeuse, vive la République. C'est Jacques Lacour le premier qui a mis Pierre-Antoine Courrouble sur la piste de Boissel. Aujourd'hui, l'avenue qui porte désormais son nom a remplacé la Nationale 7 comme pour permettre aux idées révolutionnaires du François, comme on dirait ici, de mieux circuler dans la société telle qu'elle est devenue en ce début de 21e siècle. C'est dans cette rue que le François a commencé à marcher, à réfléchir, à écrire. On ne sait pas très bien laquelle de ces maisons était celle des Boissel. Le mystère perdure. T'as pas du courrier pour François Boissel? Non. Parce que là j'ai sonné, il a pas l'air d'être là. Il était parti à Paris là. Ouais, je pense qu'il est à Paris là. Pour une réunion chez Jacobin. À bientôt. Voilà, on est ici devant l'entrée principale du couvent des Oratoriens. Celui-là même où François Boissel, le jeune François Boissel, va faire ses humanités. Une congrégation religieuse intéressante, puisqu'elle a été créée au lendemain des guerres de religion par le cardinal de Bérulle. Et ils professaient des idées de vérité. Dieu est vérité pour eux, et donc toute vérité est bonne à dire. Ce qui fait que c'est une congrégation où on va enseigner non seulement saint Thomas d'Aquin, mais Aristote, puis plus tard Descartes, et même les philosophes des Lumières. Et donc le jeune François Boissel va être bercé dans cette éducation, que la vérité est plus forte que tout. La vérité, c'est Dieu. Et ça va le marquer profondément. Et quand plus tard il ira à Saint-Domingue, l'intègre Boissel va devenir le rebelle, car la vérité est plus importante que tout. Voilà, on va rentrer au couvent des Oratoriens. Il n'y a rien d'autre à voir dans ce couvent que les désastres du temps. Sa rénovation fait partie des utopies réalistes auxquelles le futur proche répondra peut-être. Et la vue que Boissel avait lorsqu'il suivait donc ses études chez les Oratoriens. Bon, il n'y avait pas certains bâtiments que l'on peut voir aujourd'hui, mais en gros, le paysage, c'était ça, avec la tour de Brison, un phare au sommet de la montagne. Boissel était issu de ce terreau, de ce terroir. À Paris, manifestement, d'après les études depuis maintenant 5 ans que j'ai fait sur ce personnage qui m'habite, il est toujours passé pour un marginal. Des fois, dans la marginalité, à la marge, on peut être au cœur des choses. C'est un sentiment qui m'a traversé à différents moments. Oui, c'est vrai, ici, on est à l'écart de beaucoup de choses, mais oui, dans la marginalité, on est parfois au cœur des choses. Le texte de Courrouble est lui aussi allé au cœur de l'œuvre. Un cœur qui bat aujourd'hui dans la poitrine d'un acteur. Qui d'autre pouvait mieux incarner le mystère de cette pensée sans compromis, de ces propositions si avant-gardistes que beaucoup ont préféré les oublier, ou faire semblant de ne jamais en avoir entendu parler? Mon père était un marchand, notable, recteur de l'hospice de Joyeuse. Il était relativement aisé puisque nous étions 10 enfants. Mais que nous avons bénéficié d'une éducation de grande qualité.
nous permettant d'accéder à des postes d'élite. Mon frère Joseph a fait comme moi d'ailleurs ses études au couvent des oratoriens de Joyeuse. Puis chez les jésuites à Viviers. Il s'est enrichi dans les îles. Il est aujourd'hui à Paris inscrit à la loge maçonnique des Neuf Sœurs. Celle-là même où nous retrouvons Benjamin Franklin, Condorcet, Lalande, Voltaire. J'ai publié notamment, en 1784, le discours contre les servitudes publiques, dans lequel je donne mes idées sur l'homme et sa place dans la société. Et c'est en 1789, je crois, que vous publiez votre œuvre essentielle, le catéchisme du genre humain, qui va fortement inspirer les acteurs de la révolution naissante. Tout à fait. Oui, mon livre est sorti en janvier 1789. Dans celui-ci, je dénonce les trois maux de la société qui sont, selon moi, les trois fléaux de l'humanité. Tout d'abord, la propriété qui est cause de tous les malheurs de l'homme. L'homme est né pour travailler au bonheur de ses semblables et non s'approprier la terre, notre bien commun à tous. L'institution du mariage qui avilit l'homme comme la femme en l'enchaînant par des contraintes imposées. La femme doit pouvoir vivre et rester aussi indépendante que l'homme. Enfin, la religion, le troisième des grands fléaux de la société. Ce sont les églises qui, sous prétexte de libération, enchaînent les âmes, dans la peur du diable et le rêve d'un hypothétique paradis. L'homme civilisé, que j'appelle moi policé, a perdu son lien avec la nature et les forces de l'univers. Et revenir à celle-ci, c'est revenir à l'essentiel, l'essence même du ciel. Et un tel retour de ce qui fonde l'humanité peut nous apporter bien plus que toutes nos lois et nos décrets. Mais revenons à la révolution. Si vous le voulez bien. Vous avez joué un rôle de premier plan. Vous étiez l'ami de Robespierre. Tout à fait. L'ami, disons que j'étais un proche de Robespierre comme je l'étais de Saint-Just. Archiviste du club des Jacobins, j'en deviendrai bien vite le vice-président. J'ai joué un rôle politique important jusqu'en 1795. Chez moi, l'action militante et l'idéologie ne se sont jamais dissociées. De toute façon, j'ai échappé de justesse à l'échafaud en plusieurs de l'an 3. Mais ça ne vous fait pas rire, ça. Non, pas du tout. Mais justement, citoyen François Boissel, vous-même, archiviste du club des Jacobins, ami de Saint-Just et de Robespierre, vous qui avez écrit tant de belles choses, comment se fait-il que vous ne soyez pas plus connu aujourd'hui? Mais, citoyenne, ce n'est pas ma personne qui compte, mais les idées que j'ai véhiculées. Et je vois bien aujourd'hui que ces idées gagnent du terrain. Vive la République et vive la France! Ben, je suis tombé au départ sur quelque chose qui m'a intrigué, car lorsque j'ai ouvert mon dictionnaire sur Boissel, je n'ai rien trouvé. Donc j'ai pris une encyclopédie un peu plus grande, il n'y avait toujours rien. Je me suis dit, oulala, ça devait être vraiment un second couteau. Et lorsque je regarde sur Internet, je tombe sur des ouvrages originaux de Boissel, dont il y en a quelques-uns là dans la bibliothèque, je pourrais peut-être vous montrer si ça vous intéresse. Des ouvrages qui se vendaient à prix d'or à Barcelone, à Amsterdam, 1500 euros, 2000 euros, enfin, de la folie. Et donc, au début, j'ai essayé de trouver des documents, des copies de ces documents. Je suis allé aux archives départementales, nationales. J'ai pu faire l'acquisition de certains de ces ouvrages. J'ai pu en consulter d'autres à la Bibliothèque nationale. Et l'intrigue sur Boissel, chez moi, est devenue vraiment une énigme, une fascination, parce que j'ai découvert un personnage dont j'ai mieux compris pourquoi Jaurès disait qu'il était l'auteur le plus subversif de son époque. Et il le définissait comme le précurseur historique du socialisme, précédant Babeuf et Saint-Simon. Et donc c'est à partir de ces recherches qu'est, je dirais, s'est engagée chez moi une démarche d'enquête, pratiquement policière par certains moments, qui a duré 5 ans, et qui s'est terminée par l'écriture de cette pièce de théâtre, ce dialogue historique qu'est Citoyen Boissel, et la réédition de certains ouvrages, de Boissel dans le texte, hein, le catéchisme du genre humain, les entretiens du père Gérard,
le Code civique de la France et puis le discours contre les servitudes publiques qui n'est pas ici, mais qui vient d'être réédité par les presses du Midi. Voilà. Alors là, nous sommes devant ma bibliothèque de la Révolution française, des ouvrages dont je m'inspire, tous ces trois rayons concernent la Révolution. Le premier ouvrage que j'ai pu lire de Boissel, c'était celui-ci, que j'avais retrouvé à Paris, qui était une réédition, la seule d'ailleurs qui existait à l'époque, du Catéchisme du genre humain, l'avait réédité en 1967, aux éditions donc Edis, ouvrage qui n'existe plus maintenant. C'est ce qui va déclencher chez moi ma curiosité sur Boissel. Ensuite, je vais pouvoir approfondir Boissel avec Jaurès. Jaurès qui parle abondamment donc de Boissel. Enfin, il consacre pas mal de pages. Il consacre pas mal de pages à Boissel et surtout, il est enthousiaste. Il en parle vraiment avec une grande générosité, comme d'un auteur étonnant, l'auteur le plus subversif, selon lui, de la Révolution. Et puis, le précurseur historique, donc. Du socialisme et du communisme pour lui. Celui qui en a le plus parlé, c'est sans conteste Abgar Yonissian, un historien russe, qui consacre un gros tiers du livre, vous voyez, toute cette partie-là, c'est sur Boissel. Et dès la préface, il cite Boissel et il en reparle dans la conclusion. Et pour lui, très clairement, Boissel est le précurseur historique du communisme, avant tous les autres. Alors, un peu avant lui, il y avait eu Volgin, voilà. Dans cet ouvrage consacré au développement de la pensée sociale dans la France au XVIIIe, qui parle de Boissel. Et puis quelques autres ouvrages également, que je n'ai pas ici. Alors, les ouvrages de Boissel, qui sont mon trésor, ils sont là. J'en ai 8 que j'ai commandés, achetés et trouvés grâce à Internet. Mon bijou, c'est celui-ci. Alors, j'en parle tout bas parce que... C'est une valeur inestimable. C'est un ouvrage broché qui faisait partie de la collection de M. Necker, ministre de Louis XVI, avec son ex-libris au dos, et qui comporte le catéchisme du genre humain version 1789, puisqu'il y en a eu deux. En première partie, la lettre aux états généraux de la France, qu'il avait publiée pour obtenir le droit d'éditer le catéchisme du genre humain. Et en seconde partie, introuvable, le discours contre les servitudes publiques, qui est un ouvrage donc qui n'est consultable que sur microfilm à la Bibliothèque nationale, et que j'ai eu la chance de pouvoir avoir dans mes mains. Alors ça, je l'ai acheté chez un bouquiniste antiquaire à Amsterdam, mais pour un prix que je ne vous dirai pas, ma femme n'est pas au courant. Voilà. Alors d'autres ouvrages... Bon, le catéchisme du genre humain, version 1789. Le voici. Voici le catéchisme du genre humain. 1789. J'ai la version 1792, qui est revue et augmentée par l'auteur. Voilà, François Boissel. J'ai ce petit livre que certains historiens, enfin ceux qui connaissent Boissel, parce que vous n'en connaîtrez pas beaucoup qui connaissent Boissel, qui s'appelle « Les entretiens du père Gérard », un ouvrage qui fut édité à 6000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque, et diffusé auprès des gardes nationaux et des armées. C'est l'ouvrage qui va inspirer, d'après les historiens, la dictature jacobine que mettra en œuvre Robespierre un an plus tard. Donc c'est un ouvrage qui fait date, tout y est écrit, ce qu'il faut mettre en œuvre pour sauver la République en danger. C'était un jacobin qui l'avait écrit, François Boissel. Il est le seul à l'avoir fait. Voilà. Plus quelques autres ouvrages, le Code civique de la Nation, la lettre au citoyen Guizot, et puis également des documents étonnants. Celui-ci, par exemple, qui est un... Voilà. Aux états généraux de la France. Non, c'est pas celui-ci. C'est l'autre. Il est là. Voilà. Ici, parce que ce qu'on ne dit pas toujours sur Boissel, c'est qu'il va non seulement militer au sein des Jacobins, mais qu'il va également agir énormément dans les sections révolutionnaires. Et là, c'est un arrêté pétition de la section des Gravilliers, qui est envoyé à la Convention nationale et qui est signé de François Boissel. Donc c'était une publication qui était faite, destinée aux députés, pour laquelle il demande la mise en examen et en jugement de Louis XVI, après sa fuite de Varennes. Voilà, il était très républicain, très engagé pour une cessation rapide et sinon immédiate de la monarchie.
le couple royal finira sur l'échafaud. Boissel sauvera sa tête à plusieurs reprises grâce à son talent d'orateur et au respect qu'il inspire, mais il connaîtra la prison. Ses œuvres seront saisies par la police de Napoléon, sa correspondance épluchée par les services secrets et enfermée à l'enfer de la Bibliothèque nationale. Pour toujours, croyait-on à l'époque. Mais la redécouverte par les historiens de l'œuvre de Boissel a fait débat dans les cercles intellectuels proches des idéaux communautaristes. Une vraie discussion peut enfin avoir lieu. Albert Soboul a conservé un amour, au sens propre du terme, un amour pour ce pays du sud de l'Ardèche, à travers les lieux où vivaient encore ses oncles, ses tantes, sa famille, ses cousins, à Uzère, à l'Argentière, à Joyeuse, et aussi dans tous les villages environnants, où il avait passé l'été, toute sa jeunesse. Il venait travailler avec dans la ferme de son oncle. Et donc, Soboul a été, je dirais, porté à s'intéresser à Boissel, d'abord par une espèce de sympathie géographique, régionale. Et il a découvert que ce François Boissel, plus qu'un simple penseur originaire de l'Ardèche, était en fait un penseur de l'utopie, un penseur de l'égalité sociale, un penseur de la transformation de la société et des hommes pour en faire une société plus égalitaire, plus juste, une société plus transparente à elle-même. Et il a accordé à Boissel une importance dans l'historiographie et dans l'histoire des idées qui dépassait complètement son ancrage proprement ardéchois, enfin, du Vivarais. Une fois parti loin de Joyeuse, il y revient peu et son enracinement révolutionnaire ne se fait pas dans sa province d'origine, contrairement à d'autres ardéchois célèbres comme Boissy d'Anglas. Et le fait qu'il soit avant tout parisien, y compris dans la commune de Paris, est peut-être le signe de cette espèce de détachement du monde qui l'entoure et qui explique aussi peut-être à certains égards son manque en quelque sorte d'emprise sur un présent qui se conjugue de façon extrêmement complexe. En 1789, il a 61 ans. C'est un vieillard à l'aune de ce qu'était le XVIIIe siècle, un homme de 61 ans, quand l'espérance de vie, pour ceux qui avaient passé 20 ans, était de 50 ans, faisait que c'était un personnage qu'on célèbre, qu'on respecte, mais en même temps qu'on tient pour passer de mode d'une certaine façon. Et ce François Boissel, qui était plein d'énergie, qui avait un souci à la fois de respectabilité et qui voulait faire entendre sa parole, a eu beaucoup de mal à la faire prendre en considération. Alors, comme il était assez riche, c'était un fils de bourgeois, il avait une rente importante, hein, une rente même considérable, il éditait à compte d'auteur ses ouvrages et les expédiait à tous les gens qui comptent. Il comptait beaucoup sur les gens de pouvoir pour donner prise, en quelque sorte, à ses idées. Alors, il expédiait ses ouvrages à tous les députés à la Constituante, puis ensuite à tous les députés à la Législative, il en donnait un peu partout, si bien qu'on trouve d'ailleurs ses œuvres dans beaucoup de bibliothèques, finalement. Mais tout cela était hors marché, en quelque sorte. Si bien que, tout en étant respecté, il a rempli quelques fonctions plus honorifiques que réelles au Club des Jacobins, vice-président, bibliothécaire, il siégeait à la tribune, remplissant quelques missions presque confidentielles. Donc, tout en étant respecté, il n'était pas pris très au sérieux. Voilà. Et d'autre part, il avait ça, c'est très important, parce qu'on va retrouver le même modèle au XIXe siècle. Il avait l'idée que la transformation de la société ne viendrait principalement par l'action de ceux qui gouvernent, par les élites, par les gens qui disposent du pouvoir, qui disposent de l'autorité, du prestige. Et donc, il regardait vers le haut. Il aurait bien voulu convaincre les députés de créer la société de l'égalité réelle. Or, dans l'histoire elle-même de la Révolution française, les idées égalitaires ou les idées de transformation sociale, plus généralement, telles que, par exemple, quelqu'un comme Babeuf, sur lequel j'ai beaucoup écrit, hein, je vous rappelle mon ouvrage, mes recueils, dans l'histoire de la Révolution française, ce sont les masses populaires, les couches populaires, les sans-culottes des villes, les paysans pauvres des campagnes qui ont été la masse agissante, celle qui a contribué à la transformation sociale, dont les ambitions, les espérances étaient le nerf essentiel de ce mouvement révolutionnaire, de ce processus révolutionnaire. Et donc Boissel n'a aucun rapport avec ces mouvements populaires. Peut-être un peu à Paris, mais il était essentiellement un homme des Jacobins et non pas un homme des sans-culottes.
très proche de Robespierre. Robespierre était très aimé par une grande partie des gens du peuple, mais il n'était pas l'expression de cette ambition populaire. Donc je crois que Boissel est passé à côté de la prise en considération de ses idées par ceux qui étaient les promoteurs de la révolution sociale. Oui, parce que dans une certaine mesure, c'est en quelque sorte sa position même à côté de l'ordre social qui se met en place au travers de la Révolution qui le marginalise et qui le rend en quelque sorte soit trop en avance, soit déjà d'une autre génération par rapport à cette espèce de tâtonnement dans la recherche d'une France nouvelle entre ordre et nation nouvelle telle qu'elle se fixe en quelque sorte dans la Révolution française. Mais c'est ça le drame de Boissel, c'est qu'il est à la fois en avance et en retard par rapport à son époque. C'est pas véritablement un homme de son temps. D'abord parce qu'effectivement, il envisage par exemple le métissage, l'union libre, des choses qui, pour l'époque, peuvent paraître visionnaires, vraiment. Bon. Et en même temps, c'est pas vraiment un moderne, au sens philosophique du terme. Parce qu'il pense un modèle politique qui prend la nature comme modèle, comme critère. Il y a des accents très épicuriens chez Boissel. La nature est une norme et l'univers, finalement, tel qu'il a été légué par le créateur, doit nous servir de modèle d'un point de vue politique. Et c'est justement l'idée avec laquelle la modernité rompt. Donc il est à la fois en avance et en retard. Et c'est la raison pour laquelle il est inclassable et pour laquelle, peut-être, non seulement il dérange politiquement, hein, mais en plus, il est difficile à classer parce qu'on ne le retrouve pas dans une école de pensée ou un parti. Hein, on le retrouve tel un individu qui est en dehors, pratiquement en dehors du temps, même s'il a été engagé dans des combats politiques qui étaient ceux de son époque, qui étaient ceux de la Révolution. Je ne crois pas que la pensée de François Boissel soit totalement originale. Elle s'inscrit dans un champ, dans un courant idéologique, dans un courant de conceptualisation du rapport entre la société et l'organisation de la société et la politique, qui est très développé au XVIIIe siècle. Il faut rappeler quand même que l'utopie au XVIIIe siècle, plutôt la recherche d'une alternative à la société malheureuse, qui est la société de classe, la société où les gens sont séparés les uns des autres par des barrières, qui sont des barrières sociales, des barrières collectives, des héritages culturels ou économiques, cette mise en question est très présente pendant tout le XVIIIe siècle. Je rappellerai simplement une date pour ne pas charger la barque, mais 1755, c'est le Code de la nature de Morelli, qui est un texte tout à fait fondamental. D'ailleurs, on pensait que Diderot en était l'auteur et qui a connu une grande célébrité. Donc Boissel s'inscrit dans ce courant où on retrouve également de grandes figures, Mably, même d'une certaine façon, le deuxième discours de Rousseau sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et beaucoup d'autres auteurs. La Révolution française, c'est véritablement, et c'est aussi la raison pour laquelle le communisme et le socialisme ne s'en inspirent que d'une manière historique ou parfois lointaine, c'est la Révolution bourgeoise. En tout cas, c'est comme ça que la tradition socialiste et communiste la consacre. Et donc Boissel, il s'inscrit en faux par rapport à ça, puisque pour lui, il s'agit d'une appropriation des richesses en fonction des besoins et dont le critère est la jouissance. Donc c'est vraiment quelque chose d'original, d'autant plus si on le compare à Babeuf. Pourquoi ? Parce que Babeuf, lui, conçoit certes l'abolition de la propriété privée, mais dans le contexte d'une communauté nationale. Alors que Boissel s'adresse au genre humain. Et il s'agit de s'approprier la nature, les produits de la nature, et non pas de circonscrire une communauté qui serait celle de l'État-nation. Et au fond, c'est ça aussi peut-être l'intérêt actuel de Boissel, c'est que à l'époque où on peut s'interroger sur l'actualité de l'État-nation et son caractère de plus en plus obsolète à l'ère de la mondialisation, finalement le discours de Boissel sur l'appropriation des richesses à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'humain, du genre humain, a quelque chose d'éminemment actuel. Pour Boissel, la réussite de la Révolution consiste en sa capacité à élever le peuple à la culture. Et la clé de cette évolution, c'est l'éducation. En attendant la proscription de la propriété comme nuisible et contraire aux lois de la nature, tous les propriétaires ont tenu de contribuer au prorata de leur faculté à la création de nouveaux établissements pour l'éducation des jeunes générations. Le catéchisme du genre humain est un ouvrage
intéressant et utile qui part un peu dans toutes les directions, pour tout dire. Parce que c'est le rassemblement de beaucoup d'aspirations qui s'étaient exprimées chez beaucoup d'auteurs pendant tout le XVIIIe siècle, et même déjà chez Thomas More, et peut-être même depuis Platon, et qu'on appelle l'utopie, depuis l'utopie communiste, disons l'utopie au sens de la transformation radicale de la société fondée sur l'abolition de la propriété privée. Donc les idées de Boissel s'inscrivent dans un courant, et ce qu'il dit n'est pas fondamentalement original, même si quelquefois il a des bonheurs d'expression, des capacités de synthèse qui traduisent le moment où il écrit, c'est-à-dire à la veille de la Révolution française, après tous les autres en quelque sorte. Donc je dirais, l'ouvrage est intéressant, il est important par sa date, il est important par sa capacité de synthèse, mais est-ce que j'ose employer l'expression ? C'est un ramassis de banalités, ce serait tout à fait péjoratif. Mais quand même, on peut parler de cela, de choses prosaïques, assez ordinaires. Par contre, les entretiens du père Gérard, qu'il écrit pendant la Révolution française, tout en étant inspiré des mêmes thèmes et des mêmes ambitions, traduisent une préoccupation politique, un souci de mettre en relation le vieux rêve utopique avec les enjeux du moment, les enjeux politiques. Et je trouve que ces textes sont plus dramatiques, même s'ils ont peut-être moins de portée conceptuelle. Et donc je mettrai au premier plan, en quelque sorte, ces entretiens qui sont plus sensibles à la réalité politique du moment, à la pression populaire, que le texte très livresque écrit avant la Révolution française. Moi, je pense qu'on essaye de marginaliser ceux qui gênent. Et ils gênent, pourquoi ? Parce qu'ils le théorisent un petit peu, mais surtout, il est très concret. Et donc, il propose, aussitôt qu'il théorise sur un sujet, il propose une solution. Alors, c'est embêtant, parce que les intellectuels n'aiment pas ça. Vous comprenez, les intellectuels aiment bien intellectualiser, ils aiment bien parler, bavarder, bavasser, je dirais. Tandis que Boissel pose une question, et puis il répond. Alors, il a des solutions un petit peu pour tout. Je trouve qu'il choque à la manière de Cohn-Bendit. Vous comprenez, moi, j'ai connu Cohn-Bendit en 1968 à Nanterre. Et donc, j'ai toujours aimé sa manière de parler, de résoudre les problèmes très vite, d'avoir un langage très, très direct, etc. Et donc, je trouve que Boissel fait la même chose. C'est ce qui me séduit beaucoup chez lui. Je dois dire que quand je relisais Olympe de Gouges récemment, j'ai trouvé qu'elle était très proche de lui. Elle aussi, elle se dit il faut résoudre le problème de l'inégalité entre hommes et femmes, l'esclavage des femmes. Alors elle écrit des pièces de théâtre, elle se dévergonde, n'est-ce pas ? Enfin, elle fait connaître ses idées, etc. Voilà, par tous les moyens. Et Boissel prend aussi tous les moyens possibles. Il n'hésite pas du tout à faire plusieurs éditions de son livre, il le fait connaître, il crie à l'Assemblée, etc. Enfin, j'aime beaucoup ce personnage, pour cette raison-là aussi. Il y a eu, évidemment, des voix pour défendre la place des femmes, notamment en politique, mais c'était souvent des voix féminines. Les voix masculines se font beaucoup plus rares. Et on en trouve au XIXe siècle, par exemple chez John Stuart Mill ou ce genre de penseur. Mais enfin, il est vrai que de ce point de vue, Boissel peut être compris comme un précurseur du féminisme. Boissel fait le culte justement d'une nature féminine. D'une nature féminine. Dieu est une femme, chez lui. Oui, et une mère. Nécessairement. Et donc, cette nature féminine, je dirais que c'est une idée que les féministes ont parfois combattue aussi. Donc c'est à la fois un précurseur du féminisme par rapport à son époque, parce que c'est déjà beaucoup de considérer que la femme, finalement, vaut peut-être mieux que l'homme et que c'est chez la femme que l'on trouvera un modèle de société plus conforme à l'amour du prochain et à la solidarité. Mais en même temps, là aussi, on le retrouve en avance et par rapport à notre époque, en avance et en retard, en quelque sorte. Donc, encore une fois, inclassable du point de vue historique. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, du point de vue des historiens, Boissel est difficile à considérer, parce qu'il ne s'inscrit pas dans la succession temporelle des idées ou des événements, même s'il en était partie prenante. De toute façon, dans le mariage, la conception qu'il a du mariage, qui est une conception assez subversive par rapport à l'institution, surtout religieuse, du mariage.
il n'y a pas de rapport sexuel entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que la concupiscence elle-même n'aboutit au point d'acmé jamais. Je veux dire par là, pour parler un peu trivialement, que l'homme et la femme ne sont jamais au rendez-vous dans ces moments cruciaux. Qu'il y avait là, dans le vertige d'une jouissance, une espèce de faculté très privée, très ancrée dans l'ipséité, les fondements même du tempérament propre à l'individu, qui font que il n'y a pas de pont-levis qui permette finalement à l'homme et la femme d'arriver un peu à cet équilibre d'une jouissance qui leur permettrait de croire que quelque part, et c'est la raison pour laquelle il estimait que peut-être le serment, si solennel soit-il, le serment prononcé devant l'institution, celui de la politique et du religieux, était en quelque sorte un serment mal à propos, qui ne convenait pas, et qui enchaînait, aliénait, surtout, peut-être, la liberté de la femme. Car bien des dérives actuelles d'une société dans la turbulence nous rapportent que peut-être à quel point la situation matrimoniale des époux n'est pas toujours de tout repos, et que s'ensuit une espèce de tutelle de l'homme sur la femme, une espèce de colonisation de la femme, qui font que ce principe est contraire un peu à la nature humaine, qui a l'image un peu des sociétés animales, nous montre à quel point, finalement, une certaine liberté vagabonde, pour parler, pour exagérer un peu, nous permet peut-être de mieux concevoir le rapport, disons, entre l'intimité du masculin et du féminin. On peut penser qu'effectivement, Boissel est un individu qui parle en son nom. Et au moment de la Révolution française, les Robespierre, les Danton, même s'ils font figure d'un intarissable moi, malgré tout, c'est au nom du peuple qu'ils parlent. Boissel parle en son nom, et l'individu qui va vraiment émerger de la Révolution française et qui va concentrer dans son individualité la Révolution française, c'est Napoléon. Donc on peut penser qu'effectivement, entre les deux individus, il y avait là une rivalité qui légitimait cette entreprise de disparition volontaire des œuvres de Boissel et du personnage même de Boissel. Parce qu'on peut se demander pourquoi ne dispose-t-on pas aujourd'hui d'un portrait de cet homme. Hein, vraiment, ça fait penser au gommage, par exemple, de Trotsky par Staline dans l'URSS soviétique. De la propriété découlent à long flot les vices, les horreurs, messieurs, tous les fléaux. Sans la propriété, point de voleur. Sans elle, point de supplice, donc. La suite est naturelle, point d'avare, les biens ne pouvant s'acquérir, ni d'intrigant, les emplois n'étant plus à courir, ni de libertin, la femme accorte et toute bonne étant à tout le monde et n'étant à personne. Point de joueur non plus, car sous ces procédés tombent tous les fabricants de cartes et de dés. Or je dis, si le mal naît de ce qu'on possède, donc ne plus posséder en est le plus sûr remède. Murs, portes et verrous, nous brisons tout cela. On n'en a plus besoin dès qu'on en vient là. Cette propriété n'était qu'un bien postiche, et puis le pauvre naît dès qu'on permet le riche. Dans votre république, un pauvre bêtement demande au riche. Abus, dans la mienne, il lui prend. Tout est commun, le vol n'est plus le vol, c'est justice. J'abolis la vertu pour mieux tuer le vice. Avec la disparition de cet homme, de ses œuvres, mais y compris de toute iconographie qui le concerne, tout se passe comme si on avait affaire à des méthodes de propagande et de création délibérée d'un mythe politique pour ce qui est de la Révolution française, donc dès l'Empire.
Alors là, les historiens doivent répondre à cette question. Comment se fait-il que l'appareil d'État sous l'influence de Napoléon ait réussi à gommer, à faire disparaître de l'histoire cet homme-là et son œuvre ? François Boissel n'a pas occupé de grandes fonctions dans le mouvement révolutionnaire, ni dans l'appareil d'État ou dans la représentation nationale. Il n'a pas été conventionnel, il n'a pas été député, il n'a jamais été... Il a quelques fonctions de judicature et de vice-présidence d'une loge jacobin, c'est peu de choses. Et donc, ça n'est pas un grand homme de la Révolution, ça c'est certain, par les responsabilités qu'il aurait exercées. Et d'autre part, ça n'est pas non plus un grand militant qui s'est mis à la tête, en quelque sorte, du mouvement populaire, comme les leaders sans culottes, Vincent, Momoro et quelques autres, ou, comme Babeuf, il n'a pas fait l'objet, il n'a pas été soumis à la répression. Il n'a pas été soumis à la répression. Ce qui fait la différence fondamentale entre la pensée de Babeuf et la pensée de Boissel, entre l'individu Babeuf et l'individu Boissel, c'est que Babeuf est passé à l'action avec les milieux sans culottes qu'il a réussi à mobiliser, en développant sa propagande dans un journal périodique, le Tribun du Peuple, et puis parce qu'il est passé devant le tribunal, c'est-à-dire la haute cour de Vendôme, qui l'a condamné à mort et qui l'a fait guillotiner en 1797. La gloire de Babeuf, c'est d'abord d'avoir été une victime de la société de classe, de la bourgeoisie thermidorienne au pouvoir, bref, de l'ordre. Et Babeuf, du même coup, incarne la figure de, pas seulement de la victime, mais de la victime en ce que cette victime a été un combattant, ce que n'a pas été Boissel. Alors voilà pourquoi Boissel a, en quelque sorte, disparu des tablettes de la mémoire populaire, de la mémoire collective, de la mémoire historiographique. Alors, il mérite d'y revenir comme penseur, comme traducteur d'ambitions conceptuelles, philosophiques, qui renvoie à l'aspiration à un autre monde, à une autre société, mais sûrement pas comme une figure de la lutte populaire. Ce qui a été, par exemple, Babeuf ou Buonarroti, qui, lui, joue un rôle très important dans la transition, dans la tradition du mouvement révolutionnaire qu'on qualifiera de communiste, entre guillemets, au XIXe siècle, après la publication de son ouvrage de 1828, paru à Bruxelles, « La conspiration pour l'égalité », dite de Babeuf. Sans tomber de façon trop simpliste dans l'idée d'un complot, peut-on quand même mettre en avant un phénomène indiscutable, qui est le fait qu'à partir notamment de 1795, de la Convention thermidorienne et du Directoire, des entreprises assez systématiques d'élimination des souvenirs des personnages gênants ont lieu, et le processus va des légendes qui courent sur Robespierre voulant se faire roi, jusqu'au fait d'éliminer des traces de personnages qu'on peut considérer comme des espèces d'incarnation de ce qu'on dénonce désormais comme l'anarchisme jacobinien, et comme le mal en quelque sorte à éradiquer. Il était contre la guerre, et dans les servitudes justement, il termine sa conclusion avec une diatribe contre les fanatismes qui mènent à la guerre, qui est très touchant dans ce moment en particulier. Hein. Je veux bien vous lire la page si vous voulez, mais c'est dans mon sac. Ah, s'il fallait remonter à l'origine et découvrir la cause des guerres, ainsi que des funestes préjugés qui les autorisent, ce ne serait pas dans le cœur ni dans les vrais intérêts des princes, qui ont été et seront toujours les pères des nations, qu'il faudrait fouiller, mais bien dans les fastes du sanctuaire impénétrable et sous le voile imposteur du fanatisme, dont les chefs, tranquilles fainéants, à couvert des dangers, à l'ombre de leurs autels et sous la garde des dieux qu'ils ont fait parler comme ils ont voulu, ont seuls profité du massacre des peuples et de la chute des rois, qu'il n'a tenu qu'à eux d'empêcher, au nom de ces mêmes dieux, dans tous les temps et depuis tous les siècles. Je trouve cette conclusion absolument admirable. C'est un grand pacifiste, en effet, il pratique une sorte de spiritualité laïque, c'est-à-dire un amour du prochain à sa façon, et un amour de la vie, du bonheur et de l'harmonie, d'ailleurs, parce que, selon lui, la félicité particulière ne peut exister sans la félicité générale, et la guerre, c'est le désordre total. La société, en quelque sorte, et de nos jours encore, n'est-elle pas un peu malade des vertus qu'elle prône un peu à tout bout de champ dans ce catéchisme des institutions et de nos jours encore? Ne revient-on pas à une politique qui met à l'index toutes les vaines vertus eschatologiques? N'est-ce pas là le symptôme même d'une espèce de malaise
un peu de vertus qui foutent le camp. N'éprouve-t-on pas le besoin de surenchérir sur le propos dès lors que le malaise existe à l'état récurrent? Le droit que reconnaît Boissel, c'est celui de travailler au bonheur de ses semblables. Et c'est un droit, donc, de travailler. Ce n'est pas un droit au bonheur. Donc ça ne tombe pas sous la critique, si vous voulez, assez traditionnelle du libéralisme, selon laquelle la démocratie moderne, critique inspirée de Tocqueville par exemple, tomberait dans le travers de l'état-providence ou de ce genre de choses. Donc c'est le droit de travailler au bonheur de ses semblables. Donc une idée finalement originale, non seulement originale, mais là aussi, qui pourrait être considéré comme actuel. Il montre qu'il aime ses semblables, et ça me plaît beaucoup. Il essaye de leur rendre service, il est très perspicace sur ce qui leur est désagréable, et il propose des solutions qu'il croit efficaces, et que je crois efficaces aussi. Je le trouve très contemporain. Il dit quelque chose qui me plaît. Faisons nous, à nous-mêmes, la grâce de nous estimer un peu plus. C'est l'art de suppléer la faiblesse du corps par la force de l'esprit. Et la loi, quant à elle, n'a pas d'autre fonction que d'assurer le maintien des droits de l'homme social, et non de réprimer les abus. On va vous dire un petit mot pour conclure. Ce bistrot a une histoire. Je me souviens qu'à mon époque, il existait deux pieds de vigne qui faisaient de l'ombrage à la saison chaude. Et je me souviens aussi qu'à l'époque des camps de Jalès et de la contre-révolution, des chouans enragés s'étaient rendus en armes pour faire rendre gorge à deux compatriotes qui s'étaient réfugiés au fond du café. Ils ne durent leur survie qu'en s'enfuyant par les jardins de derrière. De rage, les calotins cisaillèrent les deux pieds de vigne, puis s'enfuyèrent. Ben dites donc, c'est vive pour la République. Oui, c'est pour ça que l'on dit que Joyeuse était républicaine. Tout à fait, citoyenne. C'est pour cela que l'on a nommé cette cité Joyeuse la Républicaine. Et dans l'association, nous rêvons de faire cela. Lui rouvrir les portes à la prison de l'oubli, dans laquelle il est enfermé depuis maintenant bientôt 2 siècles. Et aussi de lui redonner un visage. Pour conclure, Nadine Nevsky-Michelet, expert en écriture auprès de la Cour d'appel de Grenoble, nous livre son analyse. Réservé et discret dans son comportement, mais avec une forte conscience de sa valeur, François Boissel apparaît profondément enraciné dans l'environnement et le milieu social de son époque. Éclectique, il s'intéresse à tout et s'imprègne de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Ses idées sont claires, sa pensée est structurée, ses propos souvent incisifs semblent suivre un fil bien défini. Tordu et concentré, il est complètement absorbé par ce qu'il fait. Il s'implique avec passion pour tenter d'influencer ou du moins de peser sur autrui. Personnalité volontaire et ardente, partagée entre ses tendances à l'emballement, son besoin de participation active et celui de garder le contrôle. Ouvert aux échanges, il fait preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, même si les autres peuvent ne voir de lui que le côté droit, parfois inflexible, d'une personnalité entière et résolue. Il se bat pour ses idées et veut rassembler sous sa bannière, entraîné sur sa route, tel un guide inspiré, sûr du chemin à suivre. Le mystère Boissel commence à se dissiper.
Thank you.